une journée qu'on organise, ça fait la quatrième fois cette année, qu'on organise tous les ans pour rassembler la jeunesse des îles, mais la jeunesse aussi des autres villages, pour des compétitions donc traditionnelles, et mettre en valeur certaines compétitions de chez nous, des compétitions traditionnelles qui ne sont pas trop connues, notamment la course en pirogue traditionnelle. Voilà, donc ça c'est le numéro un de la compétition, c'est surtout la course de pirogue traditionnelle inter-île. Voilà, ensuite il y a du paddle, ça c'est nouveau, le kayak aussi c'est un peu nouveau. Il y a aussi la natation, mais cette année il y aura aussi en pirogue traditionnelle une épreuve féminine, parce que l'année passée il y en avait déjà. C'était votre collègue Asengabaro qui avait gagné le trophée. Cette année aussi il y aura une épreuve traditionnelle féminine en pirogue, en pirogue traditionnelle. D'habitude, il y a souvent beaucoup plus de participants, mais cette année, bon, nous, on n'a pas mis trop de pubs, on n'a pas mis trop d'animation non plus, parce qu'il y avait des événements qui sont passés au village qui ne nous permettaient pas de faire tout ça là. Mais il y a des gens qui sont venus de Cabros, notamment celui qui a remporté l'épreuve de natation, monsieur Dimouna Gomis, voilà. Dimouna Gomis, il vient de Cabros, mais c'est un nageur professionnel également. Il y a aussi évidemment des Européens qui étaient venus, mais ils sont venus en retard, mais demain ils vont participer, puisque les touristes aussi qui viennent d'ailleurs participent aux différentes épreuves. Donc demain il y aura la participation des touristes aussi. Épreuve, parce que c'est épreuve, c'est reprendre, notamment par des épreuves individuelles. Donc, pour le coeur, il y a un peu de temps. Voilà. Ndi kané ma fichay jone c'est nanon ma ban ki nanon ki mo banon ban lo ko inscrire on a ka hurim do bil no bokal moyenal parce que le but c'est on mo kana ko ko dajé noyenal ça c'est le but wayenal malgré nous ulani la wanya la atana nak mais fo noyenal ay fany bu kana ko fa non tu es libre de t'inscrire yo baje fof ke lu may ka ful dem ba ma fof ko dem mo ko mo ko fof ko fany ko participer donc bu ko fof on ko inscrire ko participer. Bon, ka warum ka compétir siet ko be ko ba ko tarde tarde matay ba tay yali ko annuler ni ko annuler ken ba toy ni ko bildi si wuton bala ko rimul naka bala be ka jom fon ko participer ay gay c'est vrai que en de hotongat wala ajola ne mo hotongat entre han entre jaken wala fi janten d'ailleurs parti ayu janten ko kiyo ayu jaken wala ko kiyo donc hotongat ala keto simit to itu bawa lisan hai siwan si mama lisan siwan jantan kuan kejinka aku yo apren jadi bila jadi kan aku bang date nang je furumu lekole aku bet mamba aku nor di Senegal jika bawa orang abu jauh fio dan babe ilat orang babe nilan bohin dong kelinga se afektasi yang ibajut dan yo minyak kama fenijo hindu jeng kanor bolokom nilai laku hindu
Mon Libye créé le campement en 1990. Et donc bon, ce n'était pas facile au début parce que quand il y a eu 90-92, donc c'était compliqué. Il y a eu un peu de temps. Parce que il fait du camp de sorte que n'est tombé des vacances 7 février. C'est il nous met fort comme beaucoup hangé mon midi à faire des cani. Donc c'est pour le tourisme évidemment. Et vacances ça te fait des coups de vacances Noël, mais entre Noël et Pâques coups de vacances 7 février. Donc vacances 7 février j'ai calculé mon du camp Noël et d'ailleurs fait d'ailleurs tombé toujours des vacances 7 février. Et comme ça beaucoup que le couvre de Bagnolil. Donc beaucoup participer. Inquiète pas de réussite. Même ultime fois pas de réussite, mais inquiète fois pas de réussite. Parce que quand on commence, faut qu'on se canaco. Et gai, émettez un oyan au mois de février. Baje, on a nyoka ne bohamu ata buhekora bata usana onondikite no mutate.